Chers Togolais, je vous salue au nom souverain de Jésus-Christ et je vous présente mes souhaits de bonne année, mon épouse, la prophétesse Ekane Shalom et moi-même. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Je vous annonce mon grand retour au Togo avec un grand programme de réveil, de délivrance, de restauration dans la grande salle de l'église Rema Minsu Mission, sise à Sakbato, Logoté. Donc, jeudi le 11, nous aurons un grand programme de bénédiction où les richesses du ciel seront déversées dans la vie de tous ceux qui seront présents. Passez l'annonce autour de vous. Le thème « Seigneur, bénis mon année 2018 ». Quels que soient les décrets que Satan a proclamés contre votre vie pour gâter votre année 2018, venez, le Seigneur vous libérera et vous passerez une année agréable devant l'Éternel, notre Dieu. Jeudi le 11, dimanche le 14 et tous les jeudis, tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches du mois de janvier, à partir du 11 janvier, je suis avec vous à Rema Ministry Mission, Lomé, au Togo, au quartier Sakbato, Logoté. Il faut dire que nos programmes depuis le mois de novembre sont respectés dans notre église au Togo, à Sakbato, Logoté. Tous les mardis à partir de 17h, tous les jeudis à partir de 17h et tous les dimanches à partir de 17h. Alors, jeudi le 11 janvier, nous aurons atmosphère de miracle. Tous les dimanches, atmosphère de guérison et de délivrance. Venez avec tous les malades, ils recevront leur guérison miraculeuse. Et vous ne devez pas vivre avec les infirmités de 2017 en 2018. Tous les mardis, atmosphère de prophétie. C'est des cultes prophétiques où tous ceux qui veulent consulter l'Éternel viennent pour consulter la parole de l'Éternel à travers la bouche du prophète. Alors l'Éternel veut vous visiter, vous faire du bien. Passez l'annonce autour de vous. Le prophète Kane Ferdinand sera au Togo. Et le 11, ça sera la grande inauguration. Et je serai avec vous sur place tous les jeudis, tous les mardis, tous les dimanches à partir de 17h. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.